on est au niveau de l'étude aujourd'hui, on n'est pas dans la restauration pure et dure qui prendra la globalité de l'ensemble des choses. Oui, alors là on est sur des fresques, on n'a pas de toile, on est vraiment sur un enduit peint, à la technique à fresque pure à l'italienne. Et oui, plusieurs essais ont été faits à différents endroits pour comprendre un peu la différente histoire conservative de cette peinture, savoir toutes les restaurations qui ont eu lieu dessus, et ensuite la crasse et retrouver les couleurs d'origine de l'ensemble de la galerie. Alors, je vais déplacer. Je suis obligée de déplacer. L'histoire, en fait, elle débute avec Mazarin, qui décide de construire cette aile de galerie superposée avec la galerie Mansart, la galerie Mazarine. Mazarin fait appel à des peintres italiens, fait venir des artistes italiens, dont évidemment le plus célèbre d'entre eux, Francesco Romanelli, qui est en fait l'auteur de tous les grands panneaux à fresques qui sont peints, que l'on voit dans la galerie. Et cette œuvre sera réalisée assez rapidement, finalement, puisque sur deux années, 1646-1647, alors effectivement, il y a beaucoup de repeints. Ces repeints sont dégageables. Donc voilà, il y a un enjeu majeur qui est vraiment d'arriver à retrouver une grande partie de l'œuvre originelle de Francesco Romanelli. Il y a aussi quelque chose d'intéressant que vous pouvez voir déjà, c'est avec la lumière rasante, ce sont toutes les incisions qui sont d'origine et qui sont en cours de mise en œuvre de la fresque par Romanelli, où il avait un carton qu'il a appuyé sur l'enduit frais et avec une pointe sèche, il reprenait le dessin de son carton et pouvait comme ça déjà délimiter les zones qui allaient être travaillées par la suite avec l'enduit en frais avec les pigments à l'intérieur, d'où la fresque. Ici, on est allé plus loin dans le dégagement, ne serait-ce que parce qu'on peut voir en partie inférieure déjà des problèmes d'infiltration d'eau. Et ici, on est allé jusqu'au bout aussi parce que les anciens enduits de restauration étaient cassés, avaient une mauvaise accroche. On peut voir le lattis donc, de la voûte qui est là, qui sont là. Et on voit aussi les anciens clous d'accroche qui sont l'armature même pour faire tenir l'ensemble de l'enduit. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on va refaire, c'est pareil, des points partout, comme ça, qui vont nous permettre à chaque fois de retenir la fresque, de la consolider, mais en respectant une souplesse et un mouvement. C'est-à-dire qu'au lieu de tout bloquer et de tout figer, on accompagne, parce que le bâti est toujours en mouvement. La conception de la galerie, c'était vraiment une scansion architecturale, un rythme architectural donné par les ébrasements et les baies avec les niches qui leur faisaient face, avec des bustes sur console qui ont disparu aujourd'hui depuis les années 1927. Dans les niches, effectivement, on a plutôt des paysages qui sont en fait des encadrements de baies avec des balustrades et qui étaient faits essentiellement au niveau des niches pour accompagner les bustes sur console qui se trouvaient au centre en fait. En fait, la partie inférieure, elle est constituée de plusieurs niches qui étaient à l'origine utilisées pour avoir les statues de Mazarin. Et ensuite, on avait tous ces parements qu'on a actuellement qui sont, bon, c'est ces toiles marouflées, mais il faut comprendre que sous Mazarin, c'était des cuirs de cordoue avec les armes de Mazarin et qui étaient en fait un fond assez neutre et chaud pour présenter toute sa collection d'œuvres d'art. Nous sommes rendus compte que beaucoup de personnages qui étaient dénudés à l'origine ont reçu ce qu'on a appelé des voiles de pudeur ou des draperies supplémentaires que l'on identifie bien comme n'étant pas l'œuvre originelle dans la mesure où on n'a pas ces incisions dans l'enduit frais, ce qui montre effectivement que ça a été peint après. Alors il y a un scénario qui tente à montrer que ces drapés, ces voiles de pudeur qui recouvrent aussi bien d'ailleurs les personnages masculins que féminins, ont été peints de manière assez rapide après la fin de l'œuvre, peut-être à la fin du XVIIe siècle. Alors les voiles de pudeur, ça a été une très belle histoire, on va dire, de ce chantier, un débat très riche. On est arrivé sur la phase en fait où j'avais suffisamment d'éléments que je n'avais pas en phase d'étude pour me permettre de proposer au comité scientifique des nouvelles directions. Les photos d'archives aussi m'ont permis de voir quel était l'état
sous la brousse au XIXe siècle et de comprendre en définitive que ces voiles de pudeur, même s'ils reviennent, ils ont été réalisés a priori quelques années après que Romanelli soit intervenu juste au moment donc de la reprise du palais par le neveu de Mazarin. Il n'empêche qu'ils ont été extrêmement maltraités et ils avaient un état de conservation absolument très précaire et très repris et en particulier repeint quasi à la totalité par la restauration de 1978. Ici, c'est intéressant ce panneau parce que vous avez donc Daphné avec Apollon où on peut voir donc la nudité de Daphné où le sein est de nouveau visible, mais aussi Apollon où on retrouve toute sa carnation. Enfin, il n'a juste qu'un drapé qui le couvre et sinon il est nu, alors qu'il était recouvert à l'origine totalement avec un drapé qui le prenait de moitié sur le corps. Il avait même un petit drapé sur la cuisse. C'était assez ridicule d'ailleurs de couvrir un peu cette cuisse. Et ensuite, on a gardé quand même un des voiles de pudeur, dit historisé, qui est celui sur la figure du fleuve. Vous pouvez voir ici, toute cette partie ici que vous voyez, c'est exactement le voile de pudeur que nous avons conservé et dont nous avons un prélèvement qui démontre bien qu'il y a en dessous quelque chose qui date de cette époque où ils ont été mis. Alors maintenant, on dit Mazarin pour que ça parle au plus grand nombre, puisque c'est effectivement une galerie qui est construite pour le cardinal Mazarin. Désormais, on a un musée de la Bibliothèque nationale de France qui va montrer des pièces exceptionnelles de l'intégralité des départements. Et dans cette galerie même, on a la partie du musée qui est consacrée aux collections du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. En entrant par le vestibule, on trouvera des collections médiévales comme les pièces issues des trésors d'église, l'abbaye Saint-Denis, la Sainte-Chapelle. Et progressivement, au cours de la déambulation dans la galerie, le visiteur pourra découvrir des pièces de la Renaissance, du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe, XXe et XXIe siècle, puisqu'on aura des pièces entrées relativement récemment dans les collections. Et le visiteur termine par notamment un aperçu de collections audiovisuelles.